Malgré leurs efforts, Kate Middleton et le prince William ne peuvent offrir une enfance normale à leurs trois enfants. Le prince George, qui vient de célébrer ses 5 ans, la princesse Charlotte et le prince Louis sont d'ores et déjà de véritables icônes. Mais ce n'est pas évident pour ces 6 petites têtes blondes de comprendre ce qui leur arrive. D'autant que le duc et la duchesse de Cambridge tiennent à préserver leurs enfants. Au point que pour l'instant, ils évitent encore d'expliquer au prince George quel sera précisément son rôle au sein de la monarchie. Dans plusieurs décennies, celui qui a fêté dignement son anniversaire sera roi. Mais en attendant, le prince William souhaite que son fils ait l'enfance la plus normale possible. Il y aura un temps pour faire comprendre à George comment il devra s'intégrer dans ce monde, a confié le prince William, comme le rapporte le Daily Mirror. Pourtant, le garçonnet de 5 ans subit d'ores et déjà les strictes règles du protocole. Ainsi, il a l'interdiction de porter des pantalons tant qu'il n'a pas 8 ans, même s'il a déjà enfreint cette loi, il n'a pas le droit de manger avec ses parents. Mais surtout, la reine Elisabeth II lui a prévu un intensif programme pour faire de lui un roi. Même à l'école, il n'a pas un quotidien comme les autres. Si ses camarades lui ont trouvé un surnom, il doit tout de même faire très attention à ce qu'il dit. Notamment à propos du dispositif de sécurité, d'autant qu'elle est parfois mise à mal. Outre les menaces de Daesh, le prince George a été au centre de l'attention, puisqu'une femme a tenté de pénétrer au sein de l'établissement scolaire.